personne, d'accord, Thierry Gabriel, je te bloque. Compresseur, ce n'est pas moi qui t'a donné le VIH-Sida, d'accord. Je le tape sec pour, parce que pour toi, tout Paris connaît. Va d'abord chercher la solution pour manger bien. Famille de ton état, ta vieille mère Marie-Josée, une grand-mère avec les pertes blanches, les fuites urinaires, le cul même ne supporte plus arrêter les urines. Quand elle s'assoit quelque part, mignoloque, ça sent la bam, mignoloque, tu es qui? Est digne. Ta matière est digne. Une femme de plus de 60 ans, elle a lavé le sol à Camtel. Elle t'a payé le réseau. À 900 000 à l'époque, tu sortais avec un chombengis, fumeuse de banga. Ngosab, tu fumes le ndiab depuis au Cameroun. Tu fumes le ndiab à Madagascar. Une vieille fille, plus de 25 ans en Europe, elle quitte encore ici. Elle passe se coucher sur les canapés de son frère qui est en location. Franchement, même la maison familiale, vous n'avez pas au Cameroun. C'est ta mère qui a acheté le terrain à Oja. Le terrain que tu dis souvent que tu as là, elle t'a donné une petite partie, comme c'est beaucoup. Ouais, ma fille, viens construire. Tu es qui, tu es quoi? Tu as un domicile fixe en France. La maison là où tu habites là, c'est ton contrat. Mets le contrat de bail de la maison là. Nourriture, serpillère, tout djom. Avant et lent. Nien zizeminga, moi zizeminga, bo bordel, bo bo sebebe. Tapine pas là où elle est dans le sud, où c'est Bordeaux, c'est où elle est là-bas. Attends, compresseur, tu as beaucoup d'ennemis, non? Tes courriers arrivent en pile et en vrac. Je vais te remettre dans les classes sur Facebook, tu vas devenir folle. Parce que tu étais sorti, que tu viens finir avec Flore. Je te finis, je t'attends. Je te finis, je t'attends. Comme ça, une vieille maman, une vieille l'autre, par moment elle maigrit ici, là, comme si elle a fait un tout, comme si elle a fait un stage en Somalie. Elle a fait le stage en Somalie, après vous allez la voir grossir. Une chienne, elle est obligée de se faire repasser les bras parce qu'elle supplie le mariage. Tu étais venu dire ici sur Internet que le mariage même là ne donne pas, on te bat là-bas comme le serpent, sous ce sûr. Tu supplies le mariage, il y a la bastonnade dans le mariage de compre-pute, compre-lieu ce mois-ci, compre-camion, compre-ntoudjom, une vieille femme comme toi. Vieille femme comme toi, une pourriture, une serpillière, un animal d'ungourou, 40 ans à la cile, analphabète que tu sois. Terriblement SDF, terriblement mendiante. Terriblement mendiante. À cause de compresseur ici là, hein? À cause de Flore, tu as commencé à te laver. Tu étais ici là comme Wamakulo Stade Omnisport avec les yeux comme Wabandina. Tu pars recruter les petites saletés comme l'abbé Samé. Les gens qui sont dans les pays à risque. Hein? Les gens qui sont dans les pays à risque, au lieu de chercher comment elle va suivre sa procédure d'asile au HCR. D'accord? Pour qu'on le transfère comme un bœuf à vendre aux États-Unis ou bien en Suède ou au Canada, quelque part. Si tu as l'argent là-bas, ça me paye le Boza, tu pars Boza. Moi, j'étais au HCR, réinstallé et tout, j'ai refusé ça. Je suis allé payer mon Boza parce que j'avais mon argent pour venir. Un chien comme ça, toujours dans les clashs. Il va fondre, il va disparaître bientôt. Il se décape la peau, mais il est flou. Décape la peau, tu es flou, il est toujours flou, bien c'est son téléphone qui n'est pas de bonne qualité. Tu penses que je peux me permettre d'entrer dans le jeu de action-réaction avec toi? Tu n'es rien, tu n'es personne. Équilibre la balance, quitte d'abord dans les pays à risque. Quand tu vas quitter dans les pays à risque, là je vais commencer à faire le clash avec toi. Parce que même dans le pays à risque, là où tu es là, je viens quand je veux, mais toi tu ne peux pas venir ici quand tu veux. Un animal comme ça. Nestor Pingang, je fume les noyaux de ta grand-mère. Tu as suivi. Chien, qui t'a appelé ici, là? Avec son visage qui brille comme les mamies des Chinois, là. Une chienne comme compresseur, analphabète. Le temps que tu te places pour venir clasher sur Facebook, là, tu ne peux pas aller apprendre à lire. Mama tu es Binetta. B-A-B-A. T-A-T-A-T-A. T-O-T-O. De auto, toto, tumba.
vas rien dans la cervelle. Avant, quand tu étais fort, fort dans les classes, elle venait s'asseoir, elle prenait les écouteurs, on branchait de l'autre côté. Nathanaël lit, elle aussi, elle répète la même chose, Dunguru. Compre Dunguru. Hein? Compre analphabète. Compre rien dans la tête, compre cerveau passoire. Le cerveau est comme la passoire, même quand on met l'école, ça coule en bas. Il n'y a que le spermatozoïde et les billets de 10 euros. Mise passe à 40 euros, la pipe et l'amour, bordel des camions. On peut sortir une sale petite bordel des camions. Allô, allô. J'ai tes photos à l'époque là où tu faisais. Attends, elle branche sur le téléphone. Je vais te chromatiser. Branche le téléphone là. Le prochain direct que je fais le soir, je montre de tes photos. Là où tu mettais les annonces. Là où Tana te mettait les annonces pour vendre le piment. C'est Tana qui te faisait les annonces. Oui, oui. Vous pensez que vous êtes les qui? Je préfère rester seul, mais je veux mener cette guerre jusqu'à terme. Je vais te finir sur Facebook, tout le monde va comprendre que tu es une voleuse, une petite voleuse comme ça, toujours en train de mendier. Les TK chiens t'ont fui, pourquoi? À cause de la mendicité. Les TK chiens, parce que tu n'es qu'une petite mendiante. Tu mendies à temps et à temps. Tu es là pour mendier à temps et à contre-temps. Je prends pour qui? Tu n'es personne, compresseur. La petite visibilité que tu as sur Facebook là, si tu ne venais pas parler de Flore sur les réseaux sociaux, personne ne t'aurait jamais connu, à part tes clients des camions à lieu ce mois-ci, d'accord? Tu n'es personne. Ngomaleba, Ngomafé, Ngombe, Ngonsulu, Ngozuzum, Ngoanalphabète. Tu parles des parents des gens, pourtant ta mère, une grand-mère de plus de 70 ans, elle choque encore la Champions League. On t'a dit que ma maman a 50 ans. Elle choque la Champions League. Attends, il y a les bordels qui te détestent ici, mal, mauvais, elles ont beaucoup de petits secrets sur toi. Elles veulent te finir. Pourquoi? Une zézine, zinezbour, compresseur, une analphabète va prendre la parole devant les gens tout le temps. Si on lui demande même d'écrire tout ce qu'elle est en train de dire, même B.A. Ba, elle ne connaît pas. Zizezo, maman, tout est biné, t'as dépassé l'imbécile. Hein? On voit la chose là, quand elle ne fait que gonfler comme le tapioca. Compresseur des carnivaux, une bordel. Va boire les remèdes, tu calmes ton congélé, chienne. Chose. Depuis plus de 50 ans, elle a embêté même une brouette de sable, elle n'a pas au Cameroun. Pour qu'elle a, elle vient monter les vieux papins qui ont déjà la moisissure, Zoabouane. C'est déjà vert que c'est sa mère qui avait acheté. Tu connais combien on achète les papins? Benguiste quitte au Cameroun pour aller dormir sur les canapés de son frère qui se débrouille au Cameroun. Franchement, quel retournement de situation. Hein? Dès qu'elle a fini de voler l'argent des TK chiens. Elle dit qu'elle n'a pas fait les dons à l'orphelinat. Quelle orphelinat? Quelle orphelinat? Tu filmais les enfants à Madagascar. Flore fait quelque chose, elle fait la même chose. Oh, envoyez-moi les orange money. C'est la vie de Flore que tu veux voler. Tu n'as jamais été sincère dans cette paix. C'est parce que tu as vu que ta team était déjà en train de se dissoudre. On ne te donnait plus bien le 10 chiffres. Dicolo lui-même, il avait à fuir. Tu ne pars plus au Cameroun. On y a qui faut pas qu'à dire à Moudé. Tu n'as pas appelé au pays, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'y vas plus? Mendiante Pro Max, Ziane Maou, elle ose venir mentir que, à l'époque, je n'ai jamais causé de vivre voir avec toi. Compresseur, tu me dégoûtes, tu es d'abord très sale. C'est maintenant, je vous rappelle, hein, c'est maintenant que Compresseur se lave. Allez, je vais mettre les vidéos là où Compresseur avait commencé avec Flore. Elle est comme Wamakul au stade au Minusport. Dorty est plus propre que Compresseur à l'époque quand elle commençait les directs. Viragnol a un bon moule. Zengazia boum.
Baiseuse. Faut la voir comme elle taxe 30 euros dans le camion à lieu ce mois-ci. La pub et l'amour. Hein? Et gars, la pub et l'amour à 30 euros. Franchement, les bordels d'avant là, vous faites pitié, voilà. Vous faites très pitié. Je vais te gérer, tu n'es rien. Pour comprendre ça, une analphabète. Tu es leader de quoi? Leader des analphabètes. Crée une team de gens qui ne savent pas lire comme toi. Tu veux diriger les gens qui savent lire, les gens qui ont les doctorats, les gens qui ont les licences, dont leurs parents les ont payé l'école d'or pour qu'une analphabète va les diriger. Zieboum. Compre pute, compre lieu ce mois-ci. Une chienne, on l'a attrapée. Flore t'a délogé à lieu ce mois-ci. Mais alors là, comme une chienne. Sortez! Les mères pleuraient le jour là. Elles se sont associées là-bas qu'on te chasse parce que tu es parti d'y amener leurs problèmes sur Facebook. Ça va venir gâter leur pain quotidien. Les mères là, elles sont beaucoup dans les tontines. Leurs 40-40 euros là les aident beaucoup. Hein? Si elles font comme ça. Et les mères là font les grandes réunions. Hein? 500 euros. La longueur, toute la longueur de journée baisse. Il m'aurait qui courir. C'est fait utiliser, hein? Par la voie vaginale et par la voie anale. Ton anus ne connaît pas le Bangala. On t'encule partout comme une chienne. Comme les fesses ne servent plus bien, le client dit que si tu veux qu'il paye 60, tu me donnes le chioul. On tape les dents, tac, 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 tac. Maintenant, elle cotise. Elle est quelqu'un, elle est bordel. Je ne chasse personne ici. Tout le monde qui veut venir, tant que tu ne viens pas insulter Flore, si vous venez ici pour insulter Compressor, les Lolomania, vous êtes la bienvenue. Si vous venez ici pour insulter une gringalette, vous êtes la bienvenue. Je vous donne la place ici et vous vous asseyez au premier banc. Ils font pareil. Les propres soi-disant enfants de ma mère m'insultent. Pourquoi est-ce que je ne vais pas accepter l'aide venant de dehors? Je vous accepte. Jolie avec ma coiffure ici. Jusqu'à ne pas prendre l'abbé Samé. Qui est plus bipolaire que l'abbé Samé? Sa soi-disant tante là, il ne l'a pas insulté ici qu'elle a faim. Elle a faim comme une femme qui vient d'accoucher. Minga Orzie, Zia Boumanendindie. Tu es qui, tu es quoi? Tu ne peux pas me menacer. Compresseur, il te voit à l'œil nu et te décrit. Je te montre que je suis un vrai bosailleur. Jusqu'à la moelle épinière. Tu crois que c'est. Tu crois que. Deux ans de prison ne m'effraie pas. Cinq ans même ne m'effraie pas. Je suis jeune. Je suis dans la fleur de l'âge. Je paie, me repose avec. N'est pas de Western Union. Je te corrige, ma Dimboua. Ma coule, un peu comme. Un peu comme. À nous, à Mimboua. À Mboui, l'Angili. Chienne. Tu crois que tu es qui? Toutes les pages Congossa sauront que ceux qui sont venus te connaître aujourd'hui avec Flore pensent que tu es quelqu'un. Compressor n'est rien, c'est une analphabète. C'est une femme qui faisait les clashs pour 30 euros sur Facebook. Voilà, Dave Chan, vous merci. Merci beaucoup dans la vie. Tu es là. Tu m'as monté ta position. Vive les gens qui ne sont pas les moutons. Pose pas une certaine catégorie de personnes. Tu es qui? Tu connais comment tu as fait que les abeilles pleurent? Ces abeilles qui m'insultent aujourd'hui. À l'époque, quand tu insultais Maman Anna, il y a les gens, les abeilles qui m'appelaient que ouais, on y va. Tu écoutes ce que Compressor en train de dire sur Maman Anna. Voilà les gens là aujourd'hui, ils font les longs posts comme ça sur moi. Vous me faites pitié. Allez au journal, écrivez. Ouvrez toute une rubrique pour moi dans le journal là-bas. Que je suis hypocrite, je suis Judas. Mais la vraie Judas, vous la connaissez. Même dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Judas n'a jamais fait la paix avec Jésus. Pourquoi est-ce que Compressor va faire la paix avec Flore? Flore est dans sa position seule. Une reine ne se fait pas encombrer par les analphabètes. Une reine a besoin de personnes bourrées d'intelligence
qui assure ses arrières. Voilà. Compresseur, donc on va venir lui dire qu'on te paye le billet d'avion, tu mets manger le soya ici à Yaoundé, Pangalan, elle va prendre le flot, elle sait. Compresseur a la personnalité. Une toujours dit une belle personnalité, si. Elle était amie avec Lolo, elle était amie avec la veuve joyeuse, elle était avec Dandège Papa, elle était avec tous ces gens-là. Aujourd'hui, elle a dit bonjour. Aujourd'hui, est-ce que Grenga dit bonjour à tous ces gens-là? Quand elle est partie taper sur la veuve, hein, elle allait taper sur la veuve. J'ai commencé parce que certaines femmes ici sur Facebook, hein, comme elles sont sans cœur, je vais vous dire, là où j'ai vraiment pris celle de, l'idiote de compresseur là, que je l'ai fermé, c'est quand la veuve venait de faire sa fausse couche. Vous vous rappelez? De Tana avait la bouche comme le cheval. Nadège Papa, la grosse bouche comme le cheval, 7 kilos de lèvres. Hein? Les graisses qui sont dans le ventre, ça peut remplir 16 fûts. Elle a porté, elle a accompagné, elle a fait comme ça. A manqué. Elles ont tapé la veuve. C'est là où j'ai vu que tu es une femme, tu es d'une crudité d'esprit, tu es cruelle. Tu peux arrêter la bagarre, une femme qui vient de faire la fausse couche, jusqu'à tu te vantes que tu l'as tapé. Tu n'es rien, tu n'es personne. Toi-même, tu es une âme sensible. Tu es vulnérable. Va apprendre à lire. Une personne qui ne sait même pas écrire son nom est une personne qui demeure vulnérable. On va aller t'amener quelque part. On te donne même un vrai contrat que tu dois signer là, là, là. Si c'est ton arrêt de mort, tu vas lire ça comment? Tu vas lire ça comment? Tu es là, tu parles devant les gens. Quand on parle, tu fais le gros dos. Tu ne fais que gonfler comme le couscous tapioca. Tu peux nous dire pourquoi cette décadence? Un coup, tu es mince. Un coup, tu es grosse. Pourquoi? Pourquoi ton poids n'est pas stable? Explique ça à tes internautes. Lolo la puissance. Lolo la puissance. Supprime ton commentaire. Parce que vous êtes ici là, vous avez vos gens, vous voulez qu'on les respecte, non? Est-ce que si on insulte Lolo, ça va te plaire dans le cœur? Dis-moi, de toi à moi. Parce que moi, j'ai décidé qu'il ne bloque plus les gens. Hein. Peut-être c'est la manière. Regarde-moi la chienne, si c'est Mafou qui achète l'amitié de compresseur. Mafou n'a pas besoin de l'amitié. Je te bloque. Mafou n'a pas besoin de l'amitié. Compresseur n'est rien. Mafou avait sa force de frappe. Ces abeilles machiavéliques là que je suis en train de dire ici là, l'ont toujours mis au top niveau, à l'échelle nationale. Il n'y a pas une blogueuse. La vérité. Il y a une blogueuse ici là que c'est sa communauté, ses femmes se sont occupées d'elle comme la reine mère. Il n'y a pas le deux de flore dans ce domaine là. Oublie le côté là. Donc Lolo la puissance. Moi je ne te chasse pas mais n'insulte pas. Bonjour la maman des beaux gosses. N'insulte pas. S'il te plaît n'insulte pas Flore avec Amot. Laisse-les les deux là. Insulte au compresseur, c'est elle que vous êtes donnée ici. Je n'ai pas une autre chose à vous offrir à part elle là où je suis là pour le moment. Il y a aussi Mimba, si vous voulez. Les abeilles viennent m'insulter. Ils me préfèrent. Ils préfèrent compresseur. Ils me font les tas de postes. Ils m'identifient. Ils insultent ma mère, que ma mère de n'importe quoi, mes parents, ma grand-mère. Vous pensez que ça me fait quoi? Elles ne sont pas là, mes compresseurs sont sur Facebook. Tout ce que je vais lui dire, elle ne connaît pas lire, mais elle connaît écouter. La différence. Elle ne lit certainement pas, mais elle écoute. Vous voyez, non? Toujours en train de vouloir profiter. Si ma faut pas quelque part, là, on va lui donner son petit enveloppe, même de 1000 euros. Il faut qu'elle va suivre derrière la personne obligée aussi de prendre... La personne est obligée de prendre aussi même 500 ou 300, mettre dans l'enveloppe que ouais, la maman de l'appétit, la maman de la famine, hein, ma pépé, la mère des causes la mère des causes machiavéliques, la mère des orphelins, la mère des orphelins. Elle finit d'escroquer les TKC, la TKC. Elle prend l'argent là. Elle part maintenant filmer ses neveux comme ses frères ont beaucoup les enfants. Elle filme ses neveux. Elle vient mettre ici sur Facebook. Hein? Elle vient mettre ici sur Facebook et les gens cotisent pour elle. Les associations là sont où?
Ces associations-là sont où? Les associations des MAPP, les causes défendues sont où? J'ai causé avec Flo et tout à l'heure, là, je vais encore appeler Flo. Flo, c'est ma personne aujourd'hui, demain ou après-demain. Je n'ai rien à branler de vous, les abeilles, là. D'accord? Venez m'insulter, là. Qu'on peut sortir, n'est rien. Qui croyait qu'elle est quelque chose, là? Elle n'est rien. Je ne pars pas travailler, c'est toi qui m'achètes à boire ou à manger, ou bien c'est toi qui as envoyé l'argent de Noël à mes petits frères, comme ils sont en train de se glorifier avec leur argent de Noël là. Ou bien ce sont les sales poils de ta grand-mère congelés et frisés. C'est ça qu'ils ont acheté. C'est vous qui avez besoin des problèmes de soutien. Mon Dieu ne veut même pas qu'il travaille, il vous dit la vérité. Ça va faire que ses impôts seront beaucoup. Mais je vais aller travailler pour moi. Attends, je vais bloquer ou serrer ça, ou serrer ça à la con. Non, Reza, tu m'as insulté. Vraiment, les gens, si vous m'allez me rendre fou, on ne connaît même plus celle qui m'insulte. Et c'est comme les abeilles sont les manipulateurs. L'autre va m'insulter là, après elle va dire un autre petit truc comme ça, elle me paie. Parce qu'il y a les gens que je voyais quand ils commençaient mes lives hier, ils ne savaient pas que je vais aller regarder Sochan Renaissance. Ma personne, je suis calme, non. Mais, compresseur et moi là, je vous ai dit, vous savez, vous n'allez pas me dire, on va arrêter l'hypocrisie. Ça ne doit rien vous faire que j'insulte au compresseur ou pas. Ce n'est pas Flore. Ignorez ça. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. D'accord? Je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de jacasser ou bien ce sont les hormones. C'est quoi? Moi, je suis calme. Laissez-moi, je n'ai pas fait ma guerre avec Flore. Vous n'allez pas obliger les gens de faire la paix. Vous n'allez pas obliger les gens de... Moi, j'ai envie d'insulter un compresseur. Qu'on peut sortir beaucoup. Parce qu'elle n'est rien, c'est une analphabète. Tout le temps, elle se permet de prendre la parole devant les bacheliers, les gens qui ont les licences. Dis-nous pour le compresseur. Elle ne connaît rien. La fille-là ne connaît pas lire, elle ne connaît pas écrire. Hein? Je jure, elle ne connaît pas lire, elle ne connaît pas écrire. Compresseur, c'est une dungourou. Son cerveau est comme la passoire. Il n'y a rien dans la tête, là, à part les préservatifs et les ndamba. Lu. D'accord, Reza, il n'y a pas de souci. Elle n'a pas honte. Tu ne dors plus bien. Tu croyais que tu avais trouvé la tranquillité. Tu vas recommencer les directs. Le gars là va réellement te chasser de la maison là. Parce qu'il veut te chasser depuis. Depuis qu'il a compris que Tatiana, on appelle la fille là comment? Tatiana a eu maintenant un nouveau gars qui est Swag. Ils font moins. Les coups de poing que tu bois dans la maison, là, ces jours-ci, c'est la magie. Tu es qui, tu es quoi? Tu penses qu'un vrai gars, le gars qui est avec toi là, ne sois pas surpris qu'un jour comme ça, hein, comme Tatiana, il y a eu un autre gars et puis lui, il était avec toi. Quand ils vont s'arranger, ça sera seulement le mariage. Il va seulement venir qu'on ne peut pas être d'autres. Il a failli te perdre. Et puis une gringa. Elle va porter gagou au dos avec le Ghana Mosgo. Toujours dans le SDFH. Tu ne peux pas demander la maison sociale. Tu ne peux pas demander la maison sociale. Rienneuse. Ma calé. Ma a besoin de soutien. Elle a tout le temps besoin de soutien. Elle en français ne peut même pas faire les cours de français. On fait ça même en ligne, non? Oh, Natacha lui a payé. Natacha m'a payé quoi?
On te dit que je suis comme toi. Confesseur, on va voir la position. On va voir la position que Flore va se placer. Je te dis que l'histoire-ci, tape ma main. Tape ma main. Je sais que tu as une petite cervelle de moineau. À un moment, tu ne vas pas supporter parce que ça, en réalité, ça, ce n'est pas les histoires de Flore. Flore n'est pas ma mère, c'est vrai. Flore, c'est une dame que j'appelle affectueusement ma mère sur les réseaux sociaux. Dans mon acte de naissance, c'est ma mère qui est là, celle qui m'a mise au monde. D'accord. Voilà. Donc, le même titre que j'ai eu comme général là pour venir, parce que j'ai eu ce titre de général pour venir combattre avec Ngossa. Mon titre est toujours valable. Oui, oui. Le général n'avait pas rendu tous ses armes. Je vous ai dupé. J'avais gardé l'autre arme là. C'est ça que je finis avec Ngossa aujourd'hui, parce qu'elle attendait. Tu te sens un peu trop à l'aise après tout ce que tu nous as insulté. Elle est sans scrupule, elle n'a pas de jeûne. Hein. Je vous pose une question. Ce n'est pas toi. Non, je ne veux pas, parce que ça va mettre... Je ne dis pas l'autre là. Je ne dis pas l'autre là. J'attends, on va monter au fur et à mesure. Compresseur, tu vas devenir folle. Tu vas recommencer à crier dans la maison du gars là et il va te chasser. Il va partir comme Dikolo était parti. Voilà Dikolo aujourd'hui. Bah, Dikolo, il est bien. Quand il marche même, le hacké comme ça, il est bien. Dikolo, mouais. My langue. Si tu veux, tu t'aides un peu. Pas de souci. Tu peux te aider avec ça. Je te yamo déjà. Maintenant, je sais que je peux nommer Dikolo quoi même dans mon truc. Je cherche pour Dikolo. C'est lui-même là. Je vais encore voir. Les voleuses d'enfants au Cameroun. On fait encore les inséminations vicro, non? Les fives. Hein? Pourquoi tu n'es pas parfait? Ça coûte plus moins cher. Santé, ma grande sœur Florina Mugu. My langue. Le week-end commence tout le jeudi. Je suis un garçon princesse. Si vous ne savez pas ça, oui, 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 je suis un garçon princesse. Celui qui ne veut pas, il part brûler le lac. Je n'ai pas dit que c'est son père, c'est moi. C'est moi-même. Princesse, et j'aime être comme ça. Ma boucle si est jolie, non? Vous aimez ça, non? L'abbé Samé. L'abbé Samé, en tant que ma copine PD, parce que là, on va parler en tant que PD. L'abbé Samé, regarde-moi deux fois et demi, en haut et en bas. Quand tu me regardes, mon frère, ma soeur, à manquer l'abbé Samé. Toi et moi, on a quel problème? M'as-tu déjà vu? Est-ce que tu n'as pas un peu trop faim? Parce que l'abbé Samé, à l'époque, quand tu es venu sur les réseaux sociaux, tu croyais que tu étais en Bénin. Après, tu m'as allé guetter. C'est pour ça que tu ne m'as jamais intéressé dans les histoires-ci. On ne s'est jamais frotté. Ce n'est pas que tu peux clasher plus que moi. Parce que quand elle parle du clash, tu la fermes. C'est que j'ai regardé que celui-ci là-même, la seule copine que je pédais que j'avais qui faisait le Ndjansan, elle et moi, on ne parle plus ensemble. Je ne veux pas l'ondjansan dans mon entourage. Ça, c'est le teint que ma mère m'a envoyé au monde avec. C'est le même teint là que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. Le même teint que Dieu a donné à ma mère, que ma mère me pousse. C'est le teint là que j'ai aujourd'hui. Regardez ici, là, je n'ai pas les bitines du bivini. La baie sa main. Ça a un biais. Ou ça a un biais, la baie sa main. Les gens qui frottent là, clair. Hein? Les gens qui mettent une touche clair. Hein? Mais bien à clair. Est-ce que moi, je fais ça? Moi, je me on avait une petite tuile gentille. C'est le savon même qui est la base. Le gommage pour gommer le corps. La baie, ça me fait ça. Hein? Contacte-moi comme ça. J'ai un de mes shows. Il m'a contacté dernièrement qu'il aime aller en vacances avec moi. Je l'avais promis que je vais l'amener quelque part en Afrique. Je pouvais l'amener comme ça. Il vient là-bas, vous pinez. C'est l'amour. Si toi-même tu es bien, moi-même aussi, et t'épine. Moi, le problème pour les choses comme ça, moi, je suis gentil. Tu viens te placer. Tu crois que compresseur peut te donner 5 ans? Elle aime l'argent, hein? Elle ne peut plus rien te donner, mon frère. Ce n'est pas ta tante.
Non, je ne coupe pas. Vous savez, Momo, Vanessa, je vais te bloquer si tu me le redis encore. Parce que quand quelqu'un se permet déjà d'insulter ma mère, gardez vos moralités. Gardez vos conseils pour vos progénitures. Parce que ce n'est pas vos parents qu'on a insultés. Gardez mais vos conseils, mais pour vous. Quand quelqu'un se place, va m'écouter le direct. Maintenant, tu me dis, si ce que tu es en train d'écrire là, ça tient la route. Moi, je ne veux pas ça. Si je meurs ici là, il n'y a personne là, c'est ma mère qui m'a mise au monde, qui m'a poussée. C'est elle qui est la perdante de tout. Restez tranquille. Si je meurs là, c'est ma grand-mère, Madame Elandi, c'est elle qui est la perdante. Ingrid Bitomo, regarde-moi la laide de choses. On te dit que j'ai la qualité de Blanquin. J'ai la qualité de Blanquin. Quand elle sort de la maison, si, il croit qu'elle ne veut plus revenir. Je ne veux plus revenir. Je suis dans un pays où je ne peux jamais chômer dans le pays ici. Je suis la crème de la crème. Regarde-moi bien. Même les gens qui entrent en salle de sport, ils font le bodybuilding, machin et tout, ne discutent pas un homme là où je passe. Parce qu'ils sont certes bodybuilding, ils n'ont rien dans la tête. J'ai la culture du what. Quand elle m'assoit 2 minutes pour parler avec un blanc, ce n'est pas un blanc qu'on peut encore formater le cerveau. D'accord? Voilà. Maintenant, je te bannis. Avec les grosses narines, avec les lunettes comme la libellule, si c'est toi qui es sur la photo. Une sale petite chienne comme ça. Oh, je ne fais pas dans la qualité de choses là. Est-ce que vous m'avez vu vivre avec un homme blanc? Ce n'est pas que ça me dépassait. C'est que ce n'était pas le moment. Le temps pour ça, je ne trouvais pas encore ça nécessaire. Big up à cœur ouvert de Tata Loulou. Partage-moi le direct là. Comme tu détestes aussi compression, je m'allie avec toi. Je suis avec toi. Ouais, à cœur ouvert de Tata Loulou. Je n'ai pas dit à cœur ouvert, Zakam. J'ai dit à cœur ouvert de Tata Loulou. Tata Lolo, tu es le 9. Facebook, Flo est le 9 de Facebook et tu es le 10. Parce que tu connais lui. Carole Belinga, le gros cul de ta mère. Si tu es chrétien, c'est toi qui as commencé. C'est moi qui ai commencé. En quel moment j'ai insulté sa maman? Je te bannis et je te bloque. Regarde-moi la chose là, au lieu d'aller s'occuper de ces Mongols, ces enfants nés de trisomie là. Tata Lolo, bonjour. Tu peux téléphoner dans mon direct comme tu veux. Voilà. À temps et à contre-temps. Maintenant, je vais faire comme vous. Vous vous alliez avec les gens parce que vous avez les ennemis communs. Je pense que je devais faire la chose là depuis. C'est maintenant que j'ai compris. Tata Lolo, prends le banc. Tu es à la première ligne ici. Dis-moi qui je bloque, qui part. Êtes quelque chose. Ne m'écrivez plus. Oh les bas tantes des abeilles, oh les bas oncles des abeilles, oh les bas neveux des abeilles, oh. Allez vous faire foutre. D'accord? Vous n'avez aucun respect. Vous êtes les moutons. Vous êtes les suiveurs. Vous n'aimez pas Flore. Vous êtes toujours en train d'orienter Flore. Là, on peut lui donner le poison à tout moment. Elle meurt. Elle meurt. Quand vous êtes assis, vous êtes à l'aise quand Compressor est à côté de Flore. Là où Flore a sa nourriture qu'elle va manger. Compressor, c'est une mauvaise femme. Si vous cherchez bien dans la vie de la fille, là, elle a déjà eu à tuer quelqu'un. Elle est sans scrupules. La nourriture, le foro, l'argent, 50 euros. Une femme qui fait la pipe et l'amour à 30 euros dans les camions. Bordel des champs de maïs. Tu cherches quoi dans les champs de maïs à Rouen? Toujours dans les petites nationales. Les petites rues nationales, les champs de maïs, les sorties d'autoroute, les mères là, elles sont toujours garées dans les camions. Le camion de compresseur à Rouen est rouge. Le camion de compresseur à Rouen a la couleur rouge. Elle n'a pas laissé Gago à la crèche, elle n'est pas montée dans le camion, femme indigne. Tu te laves comment? Les choses qu'on baise, elle nettoie le cul avec les lingettes.
nourrit, quand on finit de couiller, elle prend que la lingette, elle nettoie le cul. Tu peux me parler? Tu peux me parler? Tu fais encore la bordellerie primitive. Tu es encore une bordelle. Natacha, c'est une escorte girl. Toi, tu es une bordelle. La différence. Là où tu es la compresseur, si on dit là maintenant que tout le monde rentre dans son pays, tu vas manger quoi au Cameroun? Les vieux papins qui ont dit à la moisissure que tu as monté dernièrement, Zoa Boanon dit à mon patois. Zoa Boanon, on appelle ça que Zoa Boanon. Mbolo Zoa Boanon, il béni à tu en boré lang et m'invoire mia foum. Tata Lolo, si elle est la seule énuque yamseur de la reine mère. Tata Lolo et la reine mère yamseur. Vous allez vous croiser à mon mariage. Je vais vous mettre sur la même table. Voilà. Vous êtes les yamseurs. Le mariage que vous priez que ça ne se célèbre pas. Je suis paxé. Hein? Je suis paxé. D'abord. Tata Lolo, tu peux appeler ici. Lance l'appel, s'il te plaît. Je veux que tu me donnes ton avis. Les gens ne font que me tirer dessus depuis hier. Personne n'est sorti. Les propres enfants de ma mère, personne n'est sorti là pour venir me défendre. Parce que j'ai dit la vérité que compresseur, c'est une pièce, c'est une fille à mettre. On doit la chasser à côté de Flore. Pardon, viens me soutenir. J'appelle la paix comme Zelensky avait demandé à l'OTAN de le soutenir. C'est ça aussi que je fais avec toi. Soutiens-moi. Zelensky avait fait quand Poutine a commencé à le persécuter. Il a levé les mains, il a dit que je sais que je suis un combattant, mais il faut que l'OTAN m'envoie les missiles. Tata Lolo vient, Wakatologue vient. Tous les Lolomaniens, les anciennes TKC qui n'ont pas digéré la paix, venez, je vous embauche. Je suis en train d'embaucher maintenant en pile et en vrac. Il y a les places, général, officier, coursier, il y a, pour Kourchi Bene, je veux même le communicateur. Voilà. Voilà, ça est ce que Claude Akama parlait. Non, 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 je te... Claude Akama dit que j'ai décidé de ne plus insulter Lolo, c'est FP n'insulte plus Flore. D'accord. Lolo, mes abeilles fidèles qui sont restées, qui m'ont supporté depuis hier, disent que non, non à la mère des ténèbres. Pardon, elle a allumé la bougie. Elle a allumé la bougie depuis hier. Depuis hier, il y a une bougie qui, il y a une bougie qui brille à les ténèbres. C'est moi-même qui est arrivé là-bas. Je la bloque. Et en plus, elle est super fan. Je ne vous comprends même pas. Je voulais bloquer quelqu'un, mais je ne sais pas si elle m'insulte. Je vois elle est super fan dans mes trucs, donc je me dis que ce n'est pas trop une bonne idée. Oui, allez aussi insulter l'abbé Samin. Catholique, s'il te plaît, viens. Je t'avais chassé que tu ne nous insultes plus les Camerounais. Je t'offre deux personnes. Je t'offre deux. Terriblement mendiante, comprends Gringa. Une femme qui fait la pipe et l'amour dans les camions à 30 euros. Ouh! Elle est toujours pêchée dans les champs d'autoroute. Hein? Comme Wamakulo Stade au Misport, toutes les sorties d'autoroute à Rouen. On est là-bas. Je ne sais pas si tu es cultivatrice. On ne plante pas en hiver. Je ne sais pas ce que toi tu fais dans les champs de maïs. Non, la chèvre ne vient pas. La chèvre ne peut plus. Il y a les gens ici sur Facebook, non. Borosang, elle et moi, c'est à, juste à la vie, à la mort. À la, elle et moi. Pardon, mettez le cœur pour l'arrivée de Tata Lolo. Elle va venir me défendre. Il faut qu'elle vienne crier pour qu'on voit aussi que je suis là. Flore ne peut pas mettre sa bouche dans les histoires là. Flore est neutre dans ça. Elle a la Coupe du Monde. Compresseur, c'est sa copine. Mais elle ne parle pas. C'est mon problème. Flo, je t'ai dit que tu n'es pas... Flo n'est pas ma mère. Ce n'est pas elle qui m'a accouché. Elle peut me dire quelque chose. Je dis que je ne les laisse pas. Voilà.
Et c'est ce qui s'est passé. J'ai dit que je ne laisse pas. Donc, si vous ne comprenez pas ça, qu'elle ne gère pas mes émotions, ce n'est pas elle qui me téléguide pour gérer ma vie, vous allez partir commencer à la détester là-bas. C'est là où on va vraiment voir c'était quoi vos réelles paix. Je vais vous insulter. Vous allez vous décider si la paix là est sincère ou si elle n'est pas sincère. Vous pensez que vous me pouvez. Vous ne me pouvez pas. Attends, lance, fais, lance, attends, je te prends ici. Attends, Lolo, je te prends bien même. Tu viens. Ici là dans ma chose. Tata Lolo, à cœur ouvert. Tata Lolo, lance la demande. Il a dit que je vais te prendre ici. Maintenant, vous allez me dire ce que ça va vous faire dans le cœur aujourd'hui. Tata Lolo, pardon. Moi qui t'ai invité dans mon direct, parce que c'est encore mon direct, hein, à titre de rappel. Mais ici là, non, Tata Lolo, pourquoi tu es pour appeler, pardon? Je ne connais pas envoyer l'invitation. Mbombo, il écrit. Tata Lolo est venue ici là parce qu'elle a suivi mon cri de cœur. Mbombo, il écrit. Mbombo, si coco. Mbombo, si coco, compresseur. Hein? J'ai dit que je prends Tata Lolo. Et... Attendez, même j'ai écrit. Je veux à cœur ouvert. Ah, voilà. J'ai trouvé Tata Lolo. Envoyez l'invitation. Mettez les cœurs, Tata Lolo a tenu de se maquiller, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour le général des abeilles, bonjour, bonjour le général. Si, bonjour, même comme ils m'ont refusé, tu m'as connu là-bas, non? J'étais connu là-bas, moi-même j'ai bouffé le djangé avec toi là-bas, il y a quoi? J'ai bouffé le djangé avec toi là. Tu restes demain là-bas, tu vas aller où? Mais il faut seulement laver Mbombo Illettré. Elle t'a lavé hier, hein? Elle t'a pas donné de cadeau, hein? Elle t'a lavé hier. Parler de ma mère, ma grand-mère, dit, mon grand-père. Demain, c'est le 2 décembre. Une chose qui se balade avec le seau tous les jours, partout, pour pisser et chier le sang. Elle parle à qui? Elle peut te parler. Une vieille bonbon de 1900. Ouais, elle est venue ici en France avec le prêtre à partir. Le prêtre à partir, elle connaît la route de l'ambassade pour aller prendre un visa. Elle connaît la route de l'ambassade pour aller prendre un visa français. Gospitch. Elle avait payé les 900 000 là. C'est Mbombo sa mère. Tu es venu en France avec le prêtre à partir, le chaos de quelqu'un qu'on a volé dans le pickpocket, dans le para, en Madagascar. On a para, le papier d'une Française en Madagascar. Les gars, ils font le para au marché. Ils ont para son chaos. Tu as pris, le gars t'a pris, il a payé 900 000. 900 000 pour t'amener en banque. Tu parles à une fille, aux vraies personnes, ils sont battus seuls pour arriver en Europe. On t'est arrivé en Europe. Pour dire que voilà, l'or, c'est qu'il doit aller travailler pour la famille. Tu arrives ici, là, t'assois dans les bars, monter, descendre avec les bandits, avec tout type de.